Wir wollen gar nicht im Vordergrund, weil im Vordergrund stehen heute unsere Kinder, diese wundervollen drei oder du hast es super genau. Oh. Bin ich jetzt 550 Kilometer hergefahren, um hier zu sein. Wo kommst du her? Aus Donauwörth bei Augsburg. Okay, aus Donauwörth bei Augsburg nach Berlin gekommen. Mega cool, mit großen Applaus. Mega so, die zweite Gewinnerin eines iPhone 12 Pro ist Barbara Zepka. Barbara, wie war es bei dir? Ja, mein Handy ist noch ausreichend. Tu peux le clôturer son chez moi. Je peux voir parce que je n'ai pas. J'avais l'instant. Je suis ça. C'est vrai que c'était coupé du monde à l'instant. Ça pas chez moi. Ça parle. Thank you.
Thank you.
Bonsoir à tous. Bienvenue à ce moment de présentation. Vous êtes en train d'assister en direct à la remise des lots du premier tirage au sort de la promo du projet promo de Yakutia. Le tirage au sort qui a eu lieu dernièrement. Donc là, vous êtes venu d'assister à la remise des lots au siège de Platincoin à Berlin. Donc, cette dame que vous voyez là, c'est elle qui a gagné la voiture. Cette dame que vous voyez avec une boîte à main, c'est elle qui a gagné la voiture. Elle a seulement contribué 40 pièces. Mais elle a contribué 10 pièces 4 fois. Elle a contribué 10 pièces 4 fois et elle a gagné une voiture. Est-ce que vous vous imaginez? Donc, aujourd'hui, c'est elle. Demain, qui sait? C'est pour ça qu'il est vraiment important de jouer le jeu de cette promo, de jouer le jeu de soutenir cette plateforme, de jouer le jeu de soutenir ce projet, de jouer le jeu de participer. On est gagnant à 1000%. On ne perd rien. Rien, on ne perd rien. Donc, si vous n'avez même pas joué 2 pièces, si vous n'avez même pas contribué pour 2 pièces, pour 5 pièces, pour 10 pièces, c'est vraiment dommage. Ça veut dire que vous n'avez pas encore compris la vision, vous n'avez pas encore compris l'orientation, vous n'avez pas encore compris là où s'en va Alex.
Nous allons commencer notre présentation de ce soir dans quelques minutes. Et ce soir, je vais partager avec vous comment soumettre votre projet dans la plateforme Planting Hero. OK, on vient là comme ça d'assister en direct à la remise des lots du premier challenge qui a eu. Le second challenge aura lieu le 17, c'est-à-dire dans moins de 3 ou 4 jours. Donc, si vous n'avez pas encore contribué à ce projet, je vous invite vivement à le faire. Je vous invite vivement à contribuer à ce projet. Je vous invite vivement à soutenir cette zone de Sibérie en flammes. Je vous invite à vous donner une chance de pouvoir... Je vous invite à pouvoir vous donner une chance de pouvoir gagner un des lots. Vous avez vu la dame qui a gagné la première voiture n'a eu besoin que de faire 4 dons de pièces de 10 pièces. Ça veut dire qu'en fait, elle a donné 10 pièces 4 fois. Ça veut dire qu'elle a acheté 4 fois les pièces de 500 euros. Non, qu'est-ce que je dis? 50 euros autant pour moi. De 50 euros 10 fois. Dans le Mighty Unit, et elle a fait le don. Donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, par la force des choses, elle a gagné cette jolie voiture. Non seulement elle a soutenu un projet, elle a apporté son aide à la survie des humains dans cette zone,
Elle a épargné ses pièces, mais elle a investi parce qu'elle a l'assurance qu'elle aura 10% de ses pièces placées. Mais mieux encore, elle va conduire une voiture que bon nombre d'entre nous, certainement durant toute l'existence, ne conduiront pas. Et voyez-vous à quel âge est-ce qu'elle parvient à conduire une telle voiture. Donc, c'est juste fantastique, c'est juste... voilà, c'est ça la puissance de cette plateforme. Et je nous invite tous à le rejoindre. Et ce soir, je voudrais vous présenter comment vous aussi, vous pouvez participer, vous pouvez présenter vos projets dans cette plateforme. Dans cette plateforme. Donc, notre présentation de ce soir va être essentiellement axée sur Platinum Hero. On ne va pas faire une présentation formelle de Platinum Coin, uniquement Platinum Hero. Comment enregistrer un projet dans cette plateforme? Comment lever des fonds gratuitement pour tout type de vos projets? Donc, il est 19h06 ici au Cameroun, 18h06 en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons commencer notre présentation. Ce soir, nous aurons une présentation en deux temps. Un premier temps qui sera consacré à comment est-ce qu'on renseigne un projet sur la plateforme Platinum Hero. Et un deuxième temps va concerner un entretien que notre top leader Dorcas veut avoir avec les principaux leaders du Cameroun relativement à l'arrivée de notre numéro 1 d'Afrique sur Platinum Coin, à savoir le docteur Favor Sunano, qui vient au Cameroun la semaine prochaine. C'est son premier voyage officiel au Cameroun pour Platinum Coin. Il vient avec le mandat de Alex pour davantage nous édifier sur Platinum Coin. Parce que c'est un monsieur qui a une maîtrise profonde du fonctionnement des crypto-monnaies. C'est un monsieur qui connaît très bien ce que c'est que la blockchain. D'ailleurs, il a un centre de formation notoire, connu, respecté au Nigeria. Donc, c'est quelqu'un, quand il vous explique la crypto-monnaie, quand il vous explique la blockchain et surtout lorsqu'il vous parle de Platinum Coin, je pense qu'il vous amène à comprendre la puissance de ce projet. Avez-vous constaté la constance, la régularité avec laquelle nous vous présentons ce projet depuis que vous l'avez rejoint? Avez-vous constaté l'évolution, les évolutions, la dynamique sans cesse croissante que cette entreprise, que cette technologie affiche au jour le jour? Alex disait dans un blog Telegram qu'il y a deux types de personnes autour de Platinum Coin. Il y a une première catégorie de personnes qui sont comme convaincues de ce que Platinum Coin est une arnaque. Et par conséquent, leurs regards sont comme fixés. Leurs regards, leurs pensées sont comme focalisées pour rechercher la moindre faille, la moindre imperfection, la moindre défaillance, la moindre chose qui cloche pour vouloir se plaindre, pour vouloir crier sur tous les toits que voilà, c'est une arnaque. Il y a ce type de personnes qui se sont donné ce mandat-là
Il y en a même qui sont membres de Platinum Coin. Mais curieusement, ils sont comme engagés à démontrer ce qu'ils croient, comme quoi Platinum Coin serait une arnaque. Mais il y a aussi une autre frange de personnes autour de ce projet qui sont convaincues de ce que ce projet est quelque chose de révolutionnaire pour le monde. Cette plateforme Platinero, cette technologie Platinero est quelque chose de révolutionnaire pour le monde et par conséquent, mobilisent leurs efforts, travaillent au quotidien pour pouvoir aider cette entreprise à grandir, pour pouvoir soutenir le CEO dans sa vision et dans sa pensée. Oui, parce que même dans toutes les entreprises où certains d'entre vous travaillent, si vous écoutez bien les propos du CEO, de votre fondateur, de votre chef, de vos responsables, ce qu'ils attendent de vous en tant qu'employé, en tant que collaborateur, en tant que partenaire, c'est que vous agissiez pour soutenir la compagnie à réaliser ses ambitions, à réaliser ses objectifs. Parce que ce n'est que lorsque la compagnie aura réalisé ses objectifs que tout le monde sera content, que tout le monde tirera son épingle du jeu, que tout le monde profitera des bénéfices du succès de ce projet. Et nous autres, nous faisons partie de ces personnes-là qui ont choisi de mobiliser leurs efforts pour pouvoir soutenir la compagnie, pour pouvoir aider Alex Renard à avancer dans ce projet. Parce que oui, vous devez le savoir, il a besoin d'aide pour construire ce projet qui aujourd'hui est petit, mais qui a les perspectives d'une mastodonte. Personnellement, quand je pense à Platinum Hero que je vais vous présenter ce soir, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que j'imagine cette plateforme dans 5 ans, dans 10 ans, ce qu'elle pourra offrir au FMI comme solution de levée de fonds, à la Banque mondiale comme solution de levée de fonds, au Tchad comme solution de levée de fonds, au Sénégal, au Cameroun, au Rwanda, au Congo, au Gabon, à tous ces pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, comme solution. Hier, nous étions à un webinaire avec la top leader BA, qui est une Allemande, qui est très avancée sur Platinum Coin et qui est l'un des membres des premières heures de Platinum Coin. La top réunion secrète qu'il y a eu en 2017 à Berlin, où Alex venait avec ses papiers, était venu avec les papiers pour expliquer ce qu'il va faire, elle était là. Et quand aujourd'hui, des années après, elle nous parle de la technologie blockchain de Platinum Coin, en quoi est-ce que c'est différent de la technologie blockchain du Bitcoin? En quoi est-ce que cette blockchain sera indestructible? Comment est-ce que la compagnie est en train de travailler pour que, même si demain après-demain, les puissants de ce monde se sentent inquiétés par ce système et décident de vouloir le fragiliser, comment est-ce qu'ils ne pourront pas le fragiliser? C'est ce pari qu'a réussi Satoshi Nakamoto à travers sa blockchain Bitcoin, qui a été combattu par toutes les institutions du monde, le FMI, la Banque mondiale, les États-Unis, l'Europe, toutes les institutions de ce monde ont combattu le Bitcoin. Sauf qu'ils se sont heurtés à ce que le Bitcoin reposait sur une technologie indestructible,
sur une technologie inhackable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas hacker, sur une technologie qu'on ne peut pas falsifier, sur une technologie qu'on ne peut pas stopper. 10 ans après, ils se sont rendus compte que c'est chercher à combattre la crypto-monnaie, chercher à combattre le Bitcoin, chercher à combattre la blockchain, c'est un pari perdu d'avance. Sauf qu'aujourd'hui, le Bitcoin n'est que la première des crypto-monnaies et c'est à ce titre qu'elle tire son utilité et sa demande sur le marché parce que toutes les autres crypto-monnaies qui se développent, toute la ferveur aujourd'hui autour des crypto-monnaies, le Bitcoin est le premier impulseur et le premier bénéficiaire. Le Bitcoin est la pierre angulaire, la plaque tournante. Sauf que Platinum Coin vient avec des solutions beaucoup plus puissantes. Elle va donner la possibilité à toute personne qui a n'importe quel projet de pouvoir lever des fonds sans aller dans une banque, sans aller dans une microfinance, sans aller dans une coopérative, sans aller chez les usuriers, de pouvoir lever des fonds pour tous vos projets. Vous voulez vous marier, vous pouvez lever des fonds sur Platinero. Vous voulez acheter votre voiture, vous pouvez lever des fonds sur Platinero. Vous voulez construire votre maison, vous pouvez lever des fonds sur Platinero. Vous voulez construire votre entreprise, construire, monter votre champ, construire des bornes fontaines dans votre village, construire des hôpitaux, des orphelinats. Vous voulez réaliser un quelconque projet, vous avez des problèmes de santé. Vous connaissez des gens autour de vous qui ont des problèmes de santé graves, qui ont besoin d'argent. Sur Platinero, vous avez la possibilité de lever ces fonds. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce que les banques vont se sentir menacées, inquiétées. Ça vient complètement bouleverser le monde de la finance. Ça vient complètement remettre en question les forces que certains intermédiaires de confiance avaient. Et ça vient remettre les forces entre les mains de ceux qui doivent les avoir, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire les membres, c'est-à-dire les consommateurs. Avec Platinero, chacun de vous peut être un héros pour sa vie, un héros pour la vie des autres. Ce soir, regardons comment on ancre un projet sur Platinero. Tout d'abord, je vous conseille, si vous voulez mettre votre projet sur Platinero, de vous inscrire d'abord à Platinum Coin en utilisant un lien gratuit qui vous est remis par celui qui vous a accompagné, celui qui vous a présenté Platinum Coin. Il vous remet son lien, vous vous inscrivez gratuitement, vous devenez membre de Platinum Coin. Et c'est avec ces mêmes accès que vous venez dans platinero.com/EN, pour parler d'anglais. Vous ouvrez cette page-ci qui vous donne déjà, qui vous renseigne déjà à suffisance sur l'objectif de cette plateforme. Vous donne tout un ensemble d'informations sur la plateforme. Là, j'utilise Google Chrome. Donc, j'ai traduit la page en français. Mais si vous utilisez Google Classic, le site est en anglais et il n'y a pas de traduction en français. Donc, je vous conseille d'utiliser Google Chrome pour pouvoir convertir en français pour ceux qui ont des difficultés avec l'anglais. Donc, cette page seulement en elle-même, elle est pleine d'informations. Elle vous permet de voir déjà les projets qui ont été récemment introduits sur la plateforme, des projets de tout type,
elle vous permet déjà de voir les niveaux de mobilisation réalisés pour chacun des projets et vous renseigne sur la spécificité de Planting Hero en tant que plateforme de financement participatif. La différence qu'il y a entre le financement participatif traditionnel et Planting Hero et effectivement vous donne les avantages de cette plateforme. Donc, parce que vous êtes un membre de Platine Coin et que vous aviez votre login et votre mot de passe, vous cliquez sur « Connexion ». Vous êtes là, vous avez votre login et votre mot de passe. Sur ce compte-ci, il est déjà automatiquement enregistré. Vous cliquez juste et vous êtes dans la plateforme. Donc, vous avez là « Bienvenue », votre nom apparaît. Si vous avez mis un avatar, il va apparaître là. Et vous avez votre, vous êtes dans votre compte. Et vous pouvez voir tous les projets, notamment le projet promotionnel, le projet actuellement soutenu par la compagnie. Puisque vous voulez introduire votre projet, vous allez à démarrer le projet. Dès que vous avez cliqué sur démarrer le projet, il vous est demandé de mettre le nom, le titre de votre campagne. Ça dépend de vous. Votre campagne est de, c'est une campagne de quel est le titre que vous voulez donner à votre campagne. Projet de santé communautaire, ça peut, voilà. Projet communautaire ou construction, je ne sais pas moi. Voilà, projet communautaire, ça dépend vraiment de vous. C'est juste un exemple que je vous donne. Faites comme vous voulez. Vous et vous engagez la campagne. Vous avez compris que vous avez 60 caractères. Donc, du coup, vous rentrez donc dans cette page, celle-ci. Et ce que vous devez comprendre d'emblée, c'est que vous aurez 4 étapes principales à renseigner, à traverser pour pouvoir remplir votre projet, pour pouvoir renseigner votre projet. Donc, vous êtes à ce niveau-ci. La première des choses, c'est de mettre une image qui vient comme illustrer, vient comme être un symbole de votre campagne. Donc, pour un projet communautaire comme celui que je veux créer, on peut mettre quelle image? On peut mettre l'image, je dis n'importe quoi, peut-être des jeunes enfants et de leur famille au village dans un environnement exotique, quelque chose comme ça. Bref, à vous de faire preuve d'ingéniosité parce que cette image devra contribuer à vendre votre projet, à inspirer votre projet. Donc, le titre que j'ai mis, le voilà qui apparaît là, c'est un titre qui ne doit pas dépasser 60 caractères. Ensuite, vous avez ici le lien de votre projet dans la plateforme. En fait, chaque projet dans la plateforme Planting Hero a un lien qui soit tel que si je copie ce lien-ci, je vous l'envoie. En cliquant sur ce lien, vous avez la possibilité de rentrer dans la plateforme et retrouver mon projet. Donc, c'est comme une URL. Un lien qui vous amène directement vers votre campagne. Donc, à vous de la personnaliser. Le système vous propose un projet, un URL. Maintenant, après, vous pouvez le changer. Projet communautaire, Diamond Leader, Victor Sombert. Ça fait qu'il suffira que quelqu'un entre, il tape mon nom, il retrouvera le projet que j'ai posté. Ensuite, vous mettez ici une vidéo. Il s'agit d'une vidéo de présentation de votre projet. Une vidéo détaillée où vous expliquez votre projet, pourquoi est-ce que vous voulez lever des fonds, c'est quoi votre projet, comment ça va se passer. Bref, vous vendez votre projet. Ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un projet et qu'il y aura des étapes de mise en place du projet, obtenez
une chaîne YouTube, créez une chaîne YouTube dans laquelle vous allez faire des vidéos, une succession de vidéos de présentation de l'évolution des projets. Ça fait qu'en mettant le lien ici de votre chaîne YouTube, quelqu'un qui entrera, cliquera sur le lien, ça l'amènera dans votre chaîne YouTube et il pourra voir plusieurs vidéos qui l'édifient sur le projet. Donc, vous pouvez le faire avec YouTube ou alors avec Vimeo ou alors, par exemple, si vous avez un cloud où vous avez gardé, sécurisé votre projet dedans, vous prenez le lien et ça permet aux gens de pouvoir rentrer dans le cloud et voir vos vidéos. Ici, vous faites une vidéo beaucoup plus courte, vraiment succincte, qui permet de présenter en quelques mots, vraiment, elle est beaucoup, beaucoup plus courte que celle-ci, votre projet, et vous mettez le lien là. Vraiment quelque chose où, en une minute ou en deux minutes, quelqu'un est captivé par cette vidéo et il a donc maintenant envie d'aller découvrir de manière détaillée votre projet. Donc, c'est cette vidéo que vous mettez là, et une fois de plus, je vous encourage véritablement à utiliser YouTube ou alors d'autres chaînes où vous pouvez stocker et voilà, accompagner, attirer ou alors éduquer les gens à travers plusieurs vidéos sur votre projet. Et ici en bas, donc, vous avez la possibilité de présenter de manière pas très détaillée, vraiment en quelques mots, votre projet, de manière à ce que lorsque quelqu'un va lire le projet, en quelques lignes, il a compris. Donc, c'est une forme de version écrite de la courte vidéo que vous allez mettre ici. Mais là, ce sera en écrit. C'est pour ça que vous voyez 150 caractères. Et ici, là, glissez encore une image qui va vendre votre projet. Mettez là une image qui va vendre votre projet. Donc, vous pouvez là, la télécharger si vous l'avez dans votre galerie ou que ce soit. Vous pouvez la télécharger et la mettre. Et voilà, vous pouvez aussi, on va le voir devant aussi, mettre des vidéos, mettre des liens qui vous permettront de, ici par exemple, mettre un lien qui permettra à celui qui clique dessus d'aller vers une galerie de vos photos liées au projet. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, si vous avez des photos sur Facebook, vous mettez le lien Facebook ici, là, quelqu'un clique, il va voir la panoplie de photos au sujet du projet. Ou alors si c'est dans un cloud, ou alors si c'est dans une galerie quelconque. Mais vraiment des photos qui vendent votre projet, des photos qui donnent l'envie à ceux qui vont découvrir votre projet de vouloir vous soutenir. Et ici, vous choisissez le mode de financement. Bon, à la vérité, jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul mode de financement. Donc, voilà, pas de challenge, vous choisissez celui qui est là. Ça vous permet de garder en fait tous les fonds générés par votre projet, en tout cas, toute votre enveloppe. Et ici, vous mettez l'endroit où va se réaliser le projet. Donc, alors, si votre projet va se réaliser, je dis n'importe quoi, à Fumban ou à Yopougon, je ne sais pas moi, vous mettez le nom de votre pays, de la ville, du quartier. Voilà. Donc, vous pouvez, voilà, vous mettez là. Ici, vous choisissez la catégorie. Bon, alors, il y a tout un ensemble de catégories, éducation, entreprise, application, divertissement. Votre projet est de quel type, rentre dans quelle catégorie? Est-ce que c'est un projet d'ordre environnemental? Est-ce que c'est un projet lié à la musique, à la technologie, aux médias, au divertissement? Bref, à vous de choisir et de le mettre là. Ici, vous mettez le montant en euros dont vous avez besoin pour votre projet. Donc, africains, nos projets seront en France CFA, mais convertissons le budget en euros et mettons-le là. Donc, ça veut dire que si vous avez, par exemple, besoin d'un projet qui vous demande seulement 1500 euros, dès que vous avez tapé les 1500 euros ici, vous avez vu qu'automatiquement, le système vous donne la conversion en nombre de pièces. Parce que, souvenez-vous, sur Plantin Hero, les dons sont faits en pièces et vous allez recevoir votre budget en pièces. En pièces de Platinum Coin. Voilà. Donc, et donc, vous avez là la conversion versus la valeur, bien sûr. Aujourd'hui, Platinum Coin, c'est 5 euros. Donc, 1500 euros, ça fait 300 pièces. Mais vous imaginez bien que dès que Platinum Coin va passer à 10 euros, si vous dites que vous voulez un projet de 1500 euros, ça passera plutôt à 150 pièces. Ça veut dire que la cible qu'il faudra geler
est de 1500 pièces. Alors, écoutez-moi très bien. Je l'ai expliqué dernièrement, je le réexplique encore. Comment est-ce que Platine Coin s'y prend pour pouvoir lever des fonds? Comment est-ce que l'algorithme, le smart contract procède? En fait, lorsque vous avez besoin de 1500 euros, il convertit en nombre de pièces et ce nombre de pièces, il le multiplie par 5. Donc, le montant qui va apparaître sur la plateforme avec votre projet, c'est le montant que vous avez demandé multiplié par 5. Pourquoi multiplié par 5? Parce que, en fait, dans le processus qui va aboutir à ce que, à la fin de l'opération, vous, porteur de projet, vous aurez vos 300 pièces. Les donateurs reçoivent leur capitaux et les donateurs reçoivent 10% d'intérêt. Ce processus-là, pour qu'on y arrive, il faudrait premièrement passer par la multiplication du nombre de pièces par 5 et appliquer le smart contract de 30%. Souvenez-vous, le champ de minage, le power meter, le smart contract de Platine Coin, c'est 30% d'intérêt de pièces pendant un an. Donc, maintenant que vous avez besoin de 300 pièces, le système lui multiplie immédiatement par 5 et il va afficher à tous les donateurs que vous avez besoin plutôt de 1500 pièces. Donc, faites la liaison entre les 1500 pièces et ici. Ça n'a rien à voir avec ça, ici. Donc, c'est ce montant de pièces multiplié par 5. Et lorsque les 1500 pièces vont être collectées, le smart contract va donc appliquer 30% de ces 1500 pièces et 30% de 1500 pièces, si mes souvenirs sont bons, c'est 450 pièces. Donc, avec les 450 pièces donc, qui vont être générées, on va retirer 300 pièces que l'on va vous remettre et les autres 150 pièces, c'est les 10% des 1500 pièces collectées qui vont être restituées aux donateurs en plus de leur capitaux de 1500 pièces. Donc, voilà la magie que fait l'algorithme qui travaille, qui mobilise, qui gère la levée de fonds sur la blockchain, sur la plateforme Platine Hero. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair dessus et que vous m'avez compris. Donc, voilà. Une fois donc que vous avez mis ça, ça fait que ici, donc, vous mettez votre adresse, l'adresse de votre wallet. Hein, de votre wallet PLC wallet Platine Coin, parce que après la mobilisation des fonds, dès que la mobilisation des fonds est clôturée, vous allez dans les 15 jours après recevoir votre budget et les donateurs vont récupérer leurs fonds un an après, 12 mois après, parce qu'il faut que le système génère les 30%. Voilà, donc vous mettez votre adresse wallet là ou alors vous pouvez aller dans produit, vous cliquez ici et le système vous affichera voilà, votre wallet et la clé publique qui doit être utilisée. Donc, ça veut dire que avant d'arriver là, vous devez avoir créé, téléchargé votre PLC wallet sur Play Store ou Apple Store gratuitement et le configurer et le lier avec votre back office. Donc, vous mettez le wallet là et vous mettez la clé publique. Je répète, voici le wallet et voici la clé publique. Voici le wallet ici, voici la clé publique. Donc, c'est ça que vous copiez et vous renseignez ici et là. Voilà. Donc, c'est très important de ne pas confondre, de ne pas oublier, de ne pas faire l'erreur. Parce que si vous faites l'erreur, lorsqu'on va envoyer l'argent, ça ira ailleurs, vous aurez perdu votre budget. Donc, soyez très, très méticuleux, très, très concentré. Donc, après avoir rempli ça, vous venez dans la durée de la mobilisation des fonds. Vous voulez que votre projet commence quand? Vous voulez qu'il commence le 13 août aujourd'hui à 19h22. C'est parti, je clique sur « D'accord ». J'ai mis là. Vous voulez que votre projet dure, la mobilisation des fonds dure combien de temps? Vous avez bien vu qu'il y a des informations qui sont obligatoires et il y a des informations qui sont facultatives. Donc, quand c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre. Mais quand c'est obligatoire, vous devez nécessairement mettre l'information. Donc là, c'est obligatoire. La date de début de mobilisation et la période. Je veux que mon projet lève des fonds sur 250 jours, par exemple. Ce que vous devez savoir, c'est que
le délai minimum de mobilisation de fonds est de 6 mois. Le délai minimum conseillé, requis, recommandé est de 6 mois. Minimum. Bon, mais votre projet, vous pouvez lever des fonds sur 1 an, 2 ans. Là, par exemple, il y a un Camerounais qui a un mastodonte projet d'électrification rurale à travers le solaire. Donc, il a mis le projet, ça lui demande énormément de milliards de francs. Il a mis la levée de fonds pour 5 ans. Donc, c'est un projet que les Camerounais entendront parler parce qu'il a déjà, depuis le début d'année, commencé à faire la communication, la sensibilisation, la promotion sur Facebook et Internet. Je pense qu'il va densifier tout cela avec le temps. Donc, dès que vous avez mis dans le nombre que vous souhaitez, ou alors, ça dépend de vous, vous pouvez sélectionner le nombre de semaines, le nombre de mois, le nombre d'années, automatiquement, le système vous dit, donc, quand est-ce que l'opération va s'arrêter? Automatiquement, l'opération donc prendra fin le 20 avril 2022 à 19h22. Voilà. Donc là, vous avez fini avec la première étape et vous pouvez passer sur l'étape suivante. Maintenant, vous pouvez cliquer sur sauvegarder les modifications pour qu'il enregistre tout ce que vous avez fait. Mais là, on est dans la démo. Je ne veux pas sauvegarder les modifications parce que c'est des modifications juste de démonstration. Donc, passe à l'étape suivante. L'étape suivante, en fait, comme je vous disais, après cette étape, c'est celle-ci, détail. Donc, dans cette étape, vous avez le nom de votre nom en tant que porteur du projet. Et ici, donc, vous ancrez, vous détaillez de manière écrite votre projet. Et là, vraiment, c'est un véritable moment de vente de votre projet. Vous savez, le problème avec les projets, je l'ai toujours dit, ce n'est pas le manque de financement. Il y a tellement de sources de financement de projets. Le problème avec les entrepreneurs aujourd'hui, avec les porteurs de projets, c'est la capacité à vendre leur projet. Les gens ne parviennent pas à vendre leur projet. C'est pour ça qu'ils ne suscitent pas l'intérêt de potentiels investisseurs. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, sachez que la première compétence qui est attendue de vous pour pouvoir réussir la mise en œuvre, la réalisation de votre projet, c'est votre capacité à vendre votre projet, à donner l'envie à ceux qui vous écoutent, à vous croire, à rejoindre votre projet, à mettre de l'argent dans votre projet. Donc ici, vous avez donc la possibilité de manière détaillée d'expliquer pourquoi est-ce que votre projet est un projet qu'on doit soutenir. Vous avez 1000 caractères pour le faire. C'est une information obligatoire. Après cela, donc, vous pouvez ajouter des liens. Voilà. Ce sont des liens divers. Des liens, par exemple, si vous avez, comme je disais tout à l'heure, ce projet, j'ai dit n'importe quoi, peut-être un business plan écrit quelque part dans un cloud et qui n'a pas suffi. Si vous pouvez mettre un lien qui permet de télécharger le business plan, imaginez par exemple que vous êtes dans un projet de construction d'une école. Vous pouvez aller télécharger, vous pouvez mettre dans le cloud ou quelque part dans un de vos dossiers les autorisations d'ouverture de votre école. Parce que si moi, par exemple, je suis un investisseur et je vois que vous voulez ouvrir votre école, vous me demandez l'argent pour construire votre école, l'une des choses, c'est que, mais est-ce que tu as même d'abord commencé par le plus important? Est-ce que tu as obtenu les autorisations de création et d'ouverture de ton école? Donc, c'est des choses comme celle-là. Est-ce que tu as même déjà le terrain? C'est des choses comme celle-là. Et pour cela, si vous avez des documents qui peuvent le prouver, vous les mettez quelque part et vous mettez le lien qui est, et vous mettez un lien qui permettra à quelqu'un qui clique là d'aller voir tous les documents, les preuves ou les pièces à conviction, comme on dit. Et ici, donc, vous pouvez ajouter les questions fréquemment posées ou alors les questions que pourront se poser fréquemment des gens autour de votre projet. Ici, l'idée est à travers cet espace-ci, de pouvoir donner des réponses plus détaillées aux différentes questions que les uns et les autres peuvent se poser. Je dis n'importe quoi. Quelles sont les garanties de votre projet? Quelque chose comme ça. C'est une question que quelqu'un peut se poser. Vous mettez la réponse ici. Vous cliquez encore sur « Ajouter » et vous ouvrez votre colonne. Ainsi de suite, vous posez. Et pour cela, c'est simple. Votre projet,
présentez-le à des gens tout autour et toutes les questions que les gens vous posent, retenez-les et les réponses que vous leur donnez, c'est ça que vous mettez ici. Parce que, voilà, c'est les mêmes questions que d'autres personnes se poseront. Et voilà, si vous avez d'autres fichiers, si vous avez d'autres fichiers relatifs à votre campagne, vous pouvez mettre des liens, télécharger des pièces jointes et tout, business plan, tout un ensemble de documents et tout que vous pouvez avoir comme pièce à conviction. Et ici, si vous avez Google Analytics, si vous avez associé Google Analytics au pilotage ou à l'analyse de votre projet, vous pouvez mettre votre identité ici. Là, ça permettra aux uns et aux autres de pouvoir avoir le feedback de Google Analytics. Je pense que c'est quelque chose qui peut être une pièce à conviction, un élément motivateur pour éventuels donateurs. Donc, lorsque vous avez rempli tout ça, vous sauvegardez les informations et vous passez à l'étape suivante. L'étape suivante, on était là, c'est la récompense. Alors, les récompenses, de quoi est-ce qu'il s'agit sur cette troisième étape? Il s'agit simplement de la possibilité que la plateforme vous donne de pouvoir ajouter un élément supplémentaire qui va motiver les gens à pouvoir choisir votre projet plutôt qu'un autre projet. Voyez-vous, sur la plateforme Planting Hero, tous les donateurs, quel que soit le projet, auront 10% d'intérêt sur le nombre de pièces qu'ils auront données. Donc, dès le départ, on a le même intérêt financier sur tous les projets. Mais maintenant, qu'est-ce qui va faire que moi, je prenne mes pièces, je viens injecter dans ton projet, au lieu plutôt d'aller dans tel ou autre? C'est ici que va se jouer donc le traitement de cette question. C'est en ajoutant des récompenses particulières, des récompenses spécifiques à votre projet en disant par exemple, OK, tous ceux qui vont donner par exemple 100 pièces, je leur offre, bon, imaginez que vous voulez, je dis n'importe quoi, vous voulez créer votre école. Vous pouvez dire, OK, tous ceux qui vont donner 100 pièces, j'offre des cours de répétition gratuits pendant le premier trimestre à leurs enfants. Tous ceux qui vont donner 500 pièces, j'offre une remise de 10% à la pension de leurs enfants s'ils viennent s'inscrire dans mon école. Tous ceux qui vont donner 2000 pièces, je les offre un lot de fournitures gratuit pour leurs enfants. Donc, voilà, vous mettez des gains supplémentaires qui vont susciter l'intérêt, qui vont faire en sorte que quelqu'un va dire non. En plus de mes 10%, ce projet-ci m'offre tel et tel intérêt. Je préfère mettre mon argent ici, je préfère mettre mes pièces ici plutôt que d'aller chez l'autre là qui n'a rien ajouté en plus des 10%. Donc, c'est ici que vous pouvez donc ajouter ces récompenses. Vous pouvez donc ajouter ces différentes récompenses. Vous mettez le nombre de pièces et vous définissez la récompense qui va avec. Donc, vous pouvez le faire pour plusieurs niveaux de pièces, de dons de pièces. C'est pour ça que si vous regardez, par exemple, le projet Yakutia, vous allez voir que c'est vrai qu'il y a la promo qui vous dit que si vous donnez 10 pièces, vous avez ceci. Mais allez regarder tous les autres projets. Vous allez voir que tous ces projets-là ont fait pareil. Il y a, par exemple, un projet un geôlier qui a mis son projet, il lève des fonds. Et, par rapport au nombre de pièces, il a des bijoux qu'il a offerts. Des bijoux de différentes valeurs, des bijoux en or, des bijoux en diamant, des bijoux, voilà, de différentes valeurs selon le nombre de pièces. Donc, ça, c'est super motivant, quoi. Ça, c'est super intéressant. Donc, voilà, vous mettez le don, le nombre de pièces, le montant, ça convertit en nombre de pièces. Par exemple, si votre projet, c'est 1 500 €, vous dites tous ceux qui vont donner 200 €, ça donne la conversion en nombre de pièces. Vous dites, voilà ce que je donne comme récompense. Vous mettez ça ici, là. Vous offrez, je dis n'importe quoi, on disait tout à l'heure, des répétitions gratuites, des réductions, machin. Donc voilà, vous pouvez décrire la récompense là, ici, là, de manière détaillée pour que la personne va lire, va comprendre. Quand vous dites, vous offrez les cours de répétition, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vous pourrez donc mettre ici que, voilà, 2 ou 3 fois par semaine, l'enfant suivra gratuitement un programme que l'école aura mis, un programme de suivi, d'accompagnement, de répétition que l'école aura mis au sein de l'école sur les différentes matières
mathématiques, etc., etc. Donc, vous pouvez décrire tout ça. Ça permettra aux donateurs d'évaluer la pertinence, l'intérêt du don et de voir est-ce qu'ils se contentent de ça ou alors ils passent à une autre récompense que vous aurez ajoutée qui est meilleure et dont le don est beaucoup plus intéressant. Donc, lorsque vous avez ajouté autant de récompenses que vous voulez, vous sauvegardez les modifications et vous allez à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est l'étape du profil. Cette étape-ci, c'est elle qui vous permet de renseigner votre profil. Est-ce que vous êtes un individu ou alors vous êtes une entreprise? Bref, est-ce que vous êtes une personne morale, une personne physique? Vous mettez là votre photo, une jolie photo, mettez une belle photo responsable qui va donner l'envie à quelqu'un en regardant la photo de sentir que vous êtes quelqu'un de responsable, de crédible et de digne de confiance. Votre nom apparaît là, le nom de votre adresse, vous êtes situé où, la rue, la ville, votre adresse email, votre numéro de téléphone fixe portable, et vous parlez de vous, votre bibliographie. Ce que vous devez savoir, c'est que un projet, le premier élément de vérification de la crédibilité d'un projet, en tout cas, pour ceux qui me concernent, le premier élément de vérification de la crédibilité d'un projet, c'est d'abord le CV du porteur du projet, le CV du fondateur. Aujourd'hui, si nous autres, nous avons cru en Platinum Coin, c'est parce qu'on a eu, on a vu le CV d'Alex et ce CV-là nous a montré qu'il a toute la compétence, il a toute l'expérience, il a toute la crédibilité pour pouvoir accompagner ce projet. Donc, en mettant votre bibliographie ici, il n'est pas question de dire « je suis Camerounais, je suis âgé de tel an, je suis marié, j'ai 4 enfants » et vous vous arrêtez là. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Allez plus loin. Parlez de votre expérience. Parlez de votre compétence. Parlez de tous ces éléments-là. Parlez de vous en des informations qui vont inspirer confiance. Et vous souvenez-vous, vous n'avez que 300 caractères. Donc vraiment, on n'a pas besoin de savoir si vous êtes marié ou si vous n'êtes pas marié. Du moins, à moins que votre projet soit tel qu'il faille préciser. Maintenant, mais donnez des informations importantes. On n'a pas besoin de connaître votre âge, à moins que votre projet nécessite que vous mettiez votre âge pour qu'on voie que vous avez un certain âge de maturité et digne de confiance. Bref, mettez les informations qui vous vendent. Donc, après cela, si vous avez vos réseaux sociaux où quelqu'un peut aller découvrir davantage ce que vous faites, vous pouvez mettre les liens de votre page Facebook, compte Twitter, etc., tout ce que vous voulez qu'il vous fasse. Voilà. Donc, dès que vous avez fait ça, vous sauvegardez les informations et dès que vous avez sauvegardé les informations, guys, vous avez terminé de remplir le formulaire et dès cet instant, vous pouvez passer à l'aperçu. Donc, vous voyez que ce n'est que les 4 étapes-ci que vous devez remplir. À la vérité, en 5-5 minutes, pour peu que vous avez préparé vos éléments, vous remplissez chacun de ces 4 éléments. Donc, en 20 minutes, vous avez rempli ça, vous venez à aperçu. Aperçu vous montrera donc un résumé de votre projet. L'image que vous avez mise, la description que vous avez faite, le nombre de pièces que vous souhaitez, le délai et tout, et tout, et tout. Donc, c'est l'occasion pour vous de vérifier que, effectivement, les informations qui sont mises sont conformes à ce que les informations qui apparaissent là sont conformes à celles que vous avez mises et que ça se présente sous la forme que vous voulez. Une fois que c'est OK, vous allez simplement à envoyer pour examen. Donc, en cliquant sur envoyer pour examen, vous envoyez votre projet à l'équipe Platinum Hero qui a le droit de vérifier votre projet pour s'assurer que les intentions derrière votre projet sont bonnes. Parce que ne venez pas dire dans ce projet que vous voulez financer le terrorisme, vous voulez financer un groupe armé, les Amazoniens, vous voulez, je dis n'importe quoi, financer des... Voilà, non, ils vont vérifier que votre projet ne porte pas atteinte aux gens, ne porte pas atteinte à l'humanité, c'est un projet propre qui est digne d'être financé. Donc, ça fait que une fois qu'ils ont vérifié votre projet, ils peuvent donc le soumettre, ils peuvent donc valider et le faire apparaître quelques jours plus tard sur la plateforme. Donc, voilà. Ce temps de vérification
peut être relativement de quelques jours, quelques semaines, ou même pas plus d'un mois, de toutes les façons, c'est quelques jours, quelques semaines, une semaine, deux semaines maximum, et votre projet apparaît dans la plateforme s'il est validé. S'il n'est pas validé, il est rejeté, et vous allez recevoir un message dans votre boîte email pour vous dire votre projet est, excusez-moi, votre projet est rejeté, et pourquoi est-ce qu'il est rejeté. Et vous aurez ici là votre lien. À partir de ce lien-là, vous pouvez le copier et partager. Et une fois que vous avez donc soumis votre projet, ce que vous devez faire pour pouvoir réussir la mobilisation de fonds, c'est de commencer à promouvoir votre projet dans votre environnement. Parce qu'il ne suffit pas de mettre votre projet et de croiser les bras en vous disant « Ok, les membres de Platinum Coin iront sur Platinum Hero, verront le projet et contribueront. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous devrez promouvoir, faire la publicité, communiquer sur votre projet en organisant des rassemblements. Vous allez peut-être dans votre village, dans votre association, dans le quartier, vous rassemblez les jeunes, les potards, bref, toutes les cibles, toutes ces personnes-là que vous pensez qui peuvent vous aider à pouvoir mobiliser des fonds, toutes ces personnes-là que vous pensez qui peuvent avoir même un intérêt dans ce projet. Parce que regardez, si vous voulez construire une bonne fontaine dans votre village, la bonne fontaine, les villageois ont intérêt. Donc, rassemblez les villageois. Dites-leur que, écoutez, chers frères et sœurs, on a la possibilité de construire une bonne fontaine dans notre village. Et pour cela, on a la possibilité de le faire gratuitement. Gratuitement parce que tout ce que vous allez donner, chacun, quel que soit ce qu'il a, tout ce qu'il va donner, si nous réussissons à mobiliser l'enveloppe, ce que nous avons donné va nous être restitué en plus de l'enveloppe qui va nous être donnée pour financer le projet. Et mieux encore, vous aurez 10%. Donc, du coup, dès que toutes ces personnes, tous vos frères et sœurs du village vont comprendre qu'il est utile de se solidariser, de s'unir, de se mettre ensemble, ils vont vous apporter le soutien. Donc, cette plateforme, la première cible de en tant que donateur de vos projets, c'est des gens qui sont autour de vous. C'est les gens de votre équipe Platinum Coin. C'est pour ça que vous qui bâtissez, vous qui êtes des networkers de Platinum Coin, travaillez bien votre réseau, développez bien vos affinités avec vos downlines. Parce que demain après-demain, face à votre projet de mariage, à votre projet d'achat de votre voiture, à votre projet de construction de votre maison, ce sont vos downlines, ce sont vos uplines qui seront les premiers donataires de votre projet. C'est eux que vous aurez à convaincre de vous soutenir et c'est eux qui vont vous soutenir. Donc, voilà le secret pour pouvoir rapidement mobiliser des fonds parce que une fois que vous les aurez embarqués, la deuxième étape, ce sera d'embarquer leurs connaissances, c'est-à-dire les connaissances de vos connaissances. Donc, vous direz à vos amis, à vos frères du village, à vos membres du quartier, que, écoutez, allez dans les autres quartiers. Si vous connaissez d'autres personnes, ramenez-les, on se retrouve. Donc, du coup, et d'ailleurs, je le dis toujours à mes downlines, d'ici un an, aujourd'hui, nous faisons des présentations de Platinum Coin un peu partout. Mais je peux vous dire que dans un an maximum, les présentations de Platinum Coin vont se transformer en présentations de projet Platinum Hero. C'est-à-dire que nous allons nous rassembler pour présenter les projets et amener les gens à faire des dons. Parce que lorsqu'ils vont vouloir faire des dons, ils vont nécessairement devenir membres de Platinum Coin. Ils vont nécessairement acheter des pièces avant de pouvoir faire des dons. Donc, en leur présentant le projet, votre projet sur Platinum Hero, vous serez déjà d'une certaine manière en train de présenter Platinum Coin, en train de présenter tout ce que c'est que l'écosystème de Platinum Coin et terminer par une mobilisation des fonds. Ça fait que ceux qui ne sont pas encore membres comprendront que pour vous soutenir, il faut qu'ils s'inscrivent avec votre lien, il faut qu'ils achètent des pièces. D'autres vont comprendre même qu'il est bon qu'ils aillent au-delà des pièces, achètent des packs avant de pouvoir vous soutenir dans votre projet. Donc, est-ce que vous vous rendez compte du potentiel vers lequel cette plateforme va vous amener? Donc, non seulement vous serez en train de lever des fonds pour votre projet, mais vous serez en train de générer des commissions sur le recrutement de ces nouveaux membres-là qui vont entrer dans le système, s'inscrire et acheter des pièces, acheter des packs. Et ça fait que vous montez en plan de carrière, vous boostez vos commissions. Wow, c'est de l'argent dans tous les sens. C'est l'argent qui viendra dans tous les sens. Donc, voilà le conseil que je peux vous donner.
Maintenant, après, vraiment, il faudra utiliser tous les outils modernes, les réseaux sociaux. Il faudra aller sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, mettre vos photos, comment vous êtes beau, belle, etc. Allez avec vos projets sur les réseaux sociaux. Vous allez voir des gens qui vont vous soutenir, des gens qui vont vous accompagner, des gens qui vont voir, qui vont être intéressés, des gens, des inconnus qui vont venir sur votre projet. Donc, voilà la stratégie. Voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir à mobiliser aisément les fonds pour votre projet. Je vous ai expliqué comment PlatinCoin s'y prend, quelle est la magie, l'alchimie, l'algorithme, comment se passe l'algorithme de PlatinHero qui vous permet à la fin du compte de n'avoir rien déboursé, mais d'avoir bénéficié, du financement de votre projet en toute sécurité. Ça fait que tous ceux qui vous ont financé n'auront pris aucun risque puisque voilà, le système leur aura restitué leur capital de 10%. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir, chers Africains, chers Camerounais, chers Tchadiens, chers Ivoiriens, voilà, chers Sénégalais, vous tous qui êtes connectés ce soir, sachez que vous n'avez plus besoin de stresser pour avoir pour lever des fonds. Vous n'avez plus besoin d'un minimum. Vous n'avez plus besoin de monter des dossiers. Non. Avec la plateforme PlatinHero, vous pouvez lever vos fonds et faire tout. Lever les fonds pour tout. Donc, je vous invite même déjà à prospecter les gens qui ont les projets, Madame Yao. Regarde autour de toi des gens qui ont des projets. Ce que je te conseille, c'est que commence avec des gens qui ont des petits projets. Tout doucement, ne va pas chercher des gens qui ont des grands projets. Regarde autour de toi des gens qui ont des projets et qui ont des communautés. Je dis n'importe quoi, tu vas dans ton église. L'église a un projet de construire le temple. Va voir le pasteur et dis au pasteur qu'il y a une plateforme où les dons que les membres de l'église vont faire sur cette plateforme vont permettre à l'église de mobiliser des fonds pour réaliser le projet. Et après, ces fonds-là vont être restitués aux membres avec 10%. Donc, en fait, les membres ne perdent rien. Leur argent est sécurisé et tout le monde est gagnant. Et je t'assure, dès que tu vas faire ça, tu vas voir que tu vas beaucoup plus convaincre les gens en passant par ça plutôt qu'en leur présentant PlatinHero, PlatinCoin, la crypto-monnaie, ou pour d'aucuns, la crypto-monnaie, c'est une peste qu'il faut fuir. Aujourd'hui, tout le monde a des projets. Donc, une fois qu'on a fait ça, après, on a financé le temple, après le mariage d'un frère à l'église, on décide que, OK, frère, vous voulez vous marier, l'église va se mobiliser. On peut faire des dons que vous allez prendre, aller simplement utiliser et puis, basta, il n'y a plus rien. Faisons ces dons à travers PlatinHero et on finance votre projet. Tous les membres retrouvent l'argent avec 10%. Donc, aujourd'hui, j'appelle à tous les leaders de switcher, de passer à un autre stade, de passer à un autre niveau, de ne plus être des gens qui présentent seulement les packs PlatinCoin, de ne plus être seulement des gens qui amènent les gens à acheter des pièces, mais amener les gens à mobiliser des fonds. Vous pouvez chercher d'abord même un petit projet qui ne demande même pas beaucoup de pièces, qui demande un 200 pièces, un 300 pièces, sachant que 10, 20 personnes mobilisées, chacun en donnant deux pièces, ont réussi à mobiliser les fonds. Dès qu'on a fait ça et ça marche, vous allez voir que les 10 personnes seront les témoins pour pouvoir accompagner le prochain projet. Et c'est ainsi que petit à petit, vous allez monter en puissance, vous allez monter en charge, et vous allez vous retrouver en train de non seulement de recruter énormément de personnes, mais de changer des vies, de réaliser des projets et de montrer au monde la puissance de PlatinCoin à travers sa plateforme de crowdfunding de financement participatif PlatinHero. Donc, guys, switchons vers la présentation de PlatinHero. Ne restons plus seulement des gens qui présentent PlatinCoin. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de poser toutes vos questions. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'il y a des points que je n'ai pas abordés? Est-ce qu'il y a des questions? Posez-les et voilà, je vous écoute. Ouvrez votre micro et posez ou alors allez dans le chat, écrivez. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Monsieur Tabot, je ne sais pas si c'est Monsieur ou Madame Tabot, qui dit bonsoir à vous, Monsieur. Je souhaite avoir votre contact pour avoir une bonne explication par rapport à PlatinCoin. Je suis nouveau et même j'ai eu le lien, merci. Alors, Monsieur Tabot, ce que je vous conseille, bon, OK. En tout cas, vous avez laissé votre numéro. On va vous mettre dans le blog.
Mais celui qui vous a envoyé le lien, cette personne devrait normalement pouvoir vous édifier. Mais je vous laisse mon contact. Je vous laisse mon contact. Je peux vous édifier. Vous m'écrivez par WhatsApp. Je vais vous édifier. Je vais vous mettre dans le forum. Mais lorsque vous voulez vous inscrire, vous devez retourner vers la personne qui vous a envoyé le lien, celui qui vous a parlé de Platinum Coin. Donc voilà, voici mon lien. Ça, je mets avec, j'ajoute l'indicatif du Cameroun hein, pour éventuellement ceux qui nous suivent. J'espère que vous êtes au Cameroun parce que quand je vois votre numéro, ça ressemble à un numéro du Cameroun. Donc écrivez-moi, je vais vous édifier, je vais vous envoyer des vidéos et tout. Mais lorsque vous voulez vous inscrire, il faut garder partie de celui qui vous a présenté Platinum Coin. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, monsieur. Oui, Begoto. Bro, bonsoir. Ouais, Victor, c'est votre, mon downline. Il est à Bamako, au Mali. Ok, super. Donc, voilà. Je vais le prendre et puis on va en parler. Il est à Bamako. Donc, je vais en parler après. Ok, fantastique. Leader ouais. Begoto depuis le Tchad. Qui a ouais. des équipes un peu partout en Afrique. Il a des équipes au Sénégal, il a des équipes en Côte d'Ivoire, il a des équipes là maintenant au Mali, fantastique. Bon, beaucoup de courage à toi, leader. Et il n'y a pas de challenge. Explique-le si tu as besoin de mon soutien. Et Monsieur Tabot, on doit l'accompagner à ce qu'il devienne notre représentant de Platinum Coin au Mali. Donc, je compte sur toi pour que tu lui donnes toutes les informations. Et s'il faut faire un déplacement au Mali pour l'accompagner, pour l'aider à faire des présentations et tout, on va le faire et voilà. Donc, je compte sur toi. OK. Quelqu'un d'autre a une autre question? Ah, M. Tabot est Camerounais, mais il est au Mali. OK, d'accord. OK, il est Camerounais. Voilà, d'accord. Pas de challenge, M. Tabot, vous êtes un frère. OK, d'accord. Quelqu'un d'autre a une question? Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Ça a été suffisamment clair pour tout le monde. Edeman, est-ce que ça a été clair? Monsieur Zambou, Monsieur Alinga, excusez-moi si c'est des femmes, excusez-moi, c'est juste que j'essaie de voilà. Est-ce que ça a été clair pour vous? Jonathan, est-ce que ça a été clair? Mathilda, Madame Tabé, est-ce que ça a été clair? Cliffine, Madame Manka, est-ce que ça a été clair pour vous? Et nos fidèles leaders dynamiques, leaders de Côte d'Ivoire, Madame Yao, toujours connectée. Ça, c'est très fine, ça a été 100% clair. Fantastique. OK, donc même si vous avez votre petit commerce de beignets, vous pouvez bien sur votre projet de Platinum. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, monsieur Tabot. Oui, excusez-moi de déranger un peu. Le point, c'est que c'est un ami qui m'a fait part de la Platinum Coin, en fait. Et eux, c'est une communauté anglophone, en fait. Et moi, je ne comprends pas bien l'anglais, je ne lis non plus également bien l'anglais, donc ce qui fait que moi, je ne comprends pas parfaitement quand ils expliquent. Donc, d'accord. C'est pourquoi je me suis renseigné dans les différents groupes qu'on m'a mis et j'ai vu le lien. Quand je me suis connecté là, j'ai vu le lien et j'ai vu que c'était en français. C'est pourquoi je suis venu vers vous pour pouvoir demander à avoir vos contacts pour que je puisse être mieux, pour qu'on m'explique mieux, pour que je puisse mieux comprendre. C'est vrai que je me suis fait acheter deux pièces d'un an. Donc, on a pu ouvrir un compte Platinum. Je me suis fait acheter deux pièces. Mais je ne sais bien, je n'ai pas eu plus d'explications parce que la personne ne s'exprime pas mieux en français. Moi également aussi en anglais, je n'arrive pas à m'expliquer. Donc, ça fait, on s'embrouille un peu. OK, pas de challenge. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Le conseil que je vous donne, là, je vous ai donné mon numéro, vous pouvez m'écrire à l'inbox. Le conseil que je vous donne, c'est celle que vous connectez à nos différents webinaires. Nous faisons trois webinaires par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche à 19h. Et durant ces webinaires, nous expliquons de manière détaillée ce que c'est que Platinum Coin et son écosystème. Donc, à force de participer à ces webinaires-là, vous allez davantage comprendre.
à la vérité Platinum Coin, vous ne pouvez pas le comprendre en une seule présentation, même pas en deux ou en trois. Vous pouvez avoir un aperçu. Mais plus vous allez participer aux présentations, mieux vous allez comprendre. Aujourd'hui, ça, c'est la présentation du vendredi. Il y aura la prochaine présentation, ce sera dimanche. Dimanche, là, on aura un spécial dimanche. Là, je suis en train de voir avec toute mon équipe technique. La présentation de dimanche, au lieu qu'elle se fasse à 20h, à 19h, autant pour moi, elle risque d'avoir lieu à 16h parce que nous allons faire une présentation quelque part et nous allons faire une rediffusion en direct sur Facebook, sur YouTube et dans notre chaîne et à travers la salle Zoom. Donc soyez attentifs dans les différents forums. On va vous donner l'heure exacte de la présentation de dimanche. Mais de manière, en temps normal, c'est le dimanche, le vendredi et le mardi à 19h. Vous avez la présentation en français. À côté de ça, M. Tabot, il y a ma chaîne YouTube. Il y a la chaîne YouTube. Nous avons une chaîne YouTube où vous pouvez avoir énormément de vidéos édifiantes sur Platinum Coin et son écosystème. La chaîne, c'est Platinum Coin by Diamond Leader Victor Essombe. Je crie ça dans le chat pour que vous puissiez aller sur YouTube. Vous vous abonnez. Et vous recevrez, bref, vous allez voir énormément de vidéos et vous recevrez toutes les autres vidéos de présentation de Platinum Coin et son écosystème. Donc voilà, voilà autant d'éléments qui peuvent vous aider rapidement à comprendre de quoi il s'agit. Ok, merci, merci beaucoup. Je vais vous écrire là sur WhatsApp là tout à l'heure pour avoir plus d'explications. Merci beaucoup et bonne soirée. D'accord, fantastique. Fantastique. Ok, merci. Okay, voilà le nom de la page. Si vous allez voir notre chaîne, et vous aurez énormément de vidéos. Est-ce qu'il y a une autre question? Okay, merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur John. Oui, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir la platine coin et la platine est deux plateformes différentes ou bien c'est dans platine coin que platine euro est sorti. J'aimerais savoir la différence qui est entre platine coin et platine euro. Très, très bonne question. Très, très bonne question. En fait, Platinum Coin, c'est le nom de notre blockchain. C'est aussi le nom de notre crypto-monnaie éponyme. La crypto-monnaie s'appelle Platinum Coin. Sauf que pour que cette crypto-monnaie soit utilisée, il faut qu'on crée un écosystème où il va être utilisé. Donc, Platinum Hero n'est qu'une plateforme, n'est qu'un projet. C'est un projet de Platinum Coin. Donc, Platinum Hero est dans Platinum Coin. Platinum Coin, c'est le nom, si tu veux, du projet de manière globale de la crypto-monnaie, de notre blockchain. Sauf que sur notre blockchain, on a plusieurs projets. On a Platinum Hero, qui est un projet de financement participatif. On a Platinum Deal, qui est une place de marché. On aura beaucoup d'autres, on aura d'autres projets. Donc, Platinum Hero est un projet de Platinum Coin. D'accord, j'ai compris. Merci pour votre réponse. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que ça a été clair? S'il vous plaît, réagissez. Alors, vous pouvez réagir au moins dans le blog si ça a été clair, si ça a été clair pour vous. Réagissez dans le blog. Et si ça a été clair, n'hésitez pas aussi à partager vos ressentis dans les forums pour dire ce que vous avez pensé de cette présentation dans le forum. Là, vous avez cliqué le lien, là, vous avez vu le lien. Allez sur le lien, cliquez sur « Répondre » et faites un commentaire. Faites vos commentaires pour que ça motive les autres à pouvoir venir écouter les présentations. Parce que malheureusement, nous, les francophones, nous sommes des paresseux. Excusez-moi de le dire ainsi, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas un manque de respect, mais c'est le constat. On met l'argent quelque part, mais on ne veut pas venir apprendre. On ne veut pas venir comprendre, on ne veut pas venir écouter. Après, demain, vous allez entendre les gens vous poser des questions
Vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on prend du temps pour faire des webinaires, pour sensibiliser, mais les gens ne veulent pas faire les efforts de venir écouter. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez rentrer, là, vous avez vu les liens, faites vos commentaires, partagez une réaction. Je pense que ça va motiver les autres prochainement à être là. Donc, la prochaine présentation, ce sera dimanche à 16h. Connectez-vous par Zoom sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. On va parler encore de Planting Hero et on va encore entrer dans d'autres éléments de Planting Hero. Donc, sur ce, merci. Merci à vous tous d'avoir patienté, d'être resté jusqu'à la fin. Et bonne soirée à vous. Qu'est-ce qu'on dit? Platinum coin. Time is now. The time is now. The time is now. Yes, yes. The time is now. Bonne soirée à tous. The time is now. Good, good, good. Thank you.